T'as découvert toi la hijama un peu par hasard? Tire la peau comme ça, t'es en mode. Donc si on mange mal, en fait tu gâches ton jeûne même. J'en prends deux. Stress, fatigue, maux, mal de dos, on accumule au quotidien énormément de choses qui pèsent lourd pour notre corps et donc j'ai décidé de faire ma première hijama, enfin. Et quoi de mieux que de passer par une médecine prophétique afin de soigner mes maux avant le début du ramadan. Comment t'as découvert toi la hijama, un peu par hasard? Moi j'ai ma petite sœur qui avait mal à l'épaule. Il y avait un kiné du sport qui lui avait proposé de faire les ventouses. T'as pas eu d'appréhension avant? Parce que c'est impressionnant quand même quand on voit. Moi, personnellement, quand j'ai fait des recherches, ça tire la peau comme ça, t'es en mode. Au contraire, je me disais, s'il y a des sportifs de haut niveau qui l'utilisent, c'est que c'est bénéfique. Oui. Je suis de confession musulmane. J'ai vu que, voilà, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le pratiquait vraiment comme une médecine prophétique. Donc je me suis dit, ça peut être que du bien. Ouais. Voilà. Moi, j'ai fait il y a quelques jours. Alors, comment tu... Bah voilà, moi, je pourrais te poser la question. Bien sûr, mais là, c'est un échange, donc... alors... Moi, j'appréhendais de ouf. En fait, j'étais avec mon amie et Yarine qui m'a dit « Bon, qui commence ?» J'ai dit « Vas-y, je commence. » Parce que si je vois, je vais commencer à avoir peur. La hijama, ça dure combien de temps et c'est à partir de quel âge? Bah, en fait, la hijama, on peut la faire des petits. Les laisser plus que 10 minutes. Tu prends le temps, tu t'adaptes vraiment à chaque chat. Et ça, c'est intéressant, tu fais vraiment une vraie analyse. J'ai été agréablement surprise par la prise en charge de Hen. Pareillement, j'ai été agréablement surprise. Et franchement, j'ai même pas eu mal. Ça, c'était les premières ventouses. Ils mettaient leur bouche là. Mm-hmm. Ils incisaient à l'époque. Hein. Et l'une des premières en verre. Et puis, juste après la séance, nous avons le droit à une belle collation et un peu de repos. Pour ma part, j'étais vraiment en forme. Mais alors, le lendemain, c'était une autre histoire. J'étais vraiment fatiguée. D'ailleurs, il est vraiment recommandé de beaucoup, beaucoup se reposer pendant au moins 24 heures. À présent, ce qu'on va faire, c'est la liste de ce qu'on va manger. En fait, il faut savoir que moi, j'avais déjà une liste. Que je ne retrouve plus. Il faut noter que ce sont des plats turcs, marocains. On cuisine aussi français. Ouais, italien, en cuisine de tout. On essaye premièrement, nous, de pas gaspiller et d'avoir des plats équilibrés. Parce que le but du jeûne, c'est de faire du bien à son corps. Voilà. Donc si on mange mal, en fait, tu gâches ton jeûne même. Je vais cocher ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, ok? Djej Zitoun, Iskender. Ah, oh, c'est trop bon, c'est mon plat préféré. C'est pas qui si boulot. Basteila. Tagine, classique. Hein. J'ai l'impression que c'est une tradition du ramadan de faire des briques. Pourquoi on fait pas des briques l'année? Alors que c'est grave simple, c'est bon. J'ai jamais compris. Itchli kefte. Ah ouais. C'est long. Ouais, j'avoue, faut pas qu'on se casse la tête. Non. Fissa. Ah oui. Oh. Roulé de pain mis au thon. Ça fait longtemps, oui, ça. Ça c'est... Oh, tu sais quoi, j'ai envie d'en faire tout à l'heure. Oh, j'ai envie d'en faire tout à l'heure, je pense. Lasagne. L'armadjoun, pide. En fait, tout ce que j'écris, c'est la base. Donc, on a plein de recettes pour le mois. Après ça, on va l'adapter. Voilà, on va faire selon nos envies. Ah oui, tout ce qui est soda, on n'achète pas. Que de l'eau. Et on fait les jus nous-mêmes. Vous allez m'accompagner pour cette préparation. Et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos pendant Ramadan, si vous avez des idées, parce que j'ai pas trop d'idées. Puis voilà. Ah oui. Ou alors, on est en appel. Ok, donc qu'est-ce que tu veux? J'en prends deux. On fait de l'ASMR ou c'est comment là? Y'a pas dans ton vlog? Hein? Non, t'inquiète, je vais t'enlever en montage. En regardant les rayons là, pour que je vois. Ok. Purée, c'est en allemand, je sais pas lire l'allemand. Bon, en tout cas, c'est halal. Et maintenant, on va à Grand Frais. C'est parti. Une promotion. Mon point faible, le fromage. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon, c'est pas bon, c'est le ramadan, faut bien manger. Mais ça, ça a l'air incroyable. Bon, on se fait plaisir aussi pendant le ramadan, non? Genre, ils ont l'air incroyables. Ça, c'est chèvre et échalote. Ça a l'air pas mal. Tu vois? Ah, ça a l'air pas mal. Non, caramélisé. Ouais, ça a l'air incroyable. Verdict, c'était pas si bon que ça. J'ai dédié une journée spéciale pour prendre soin de moi, de la tête aux pieds, à la maison Léam. En fait, c'est un espace 100% féminin que j'ai découvert tout récemment sur Bordeaux, à Lormont. Vous avez un coin robe de mariage, un coin prêt-à-porter, aussi de soins, puis de coiffure. J'ai également beaucoup aimé l'accueil, c'est pour cela que je vous le recommande. Et c'est parti.
c'est canon. T'as vu ? Franchement, waouh. Alors certes, c'est un espace 100% féminin, mais les coiffeuses se sont quand même assurées de mettre un paravent puisque je porte le voile, j'ai trouvé ça adorable. Avec les coiffeuses, on discutait et on parlait de l'importance du protecteur thermique. Ainsi, on a fait un test où on a mis d'un côté un protecteur et de l'autre côté du ticket, sans protecteur. Et on voit bien la différence, c'était juste incroyable. Donc voilà, j'ai voulu vous partager ça. Vous voyez bien que nous sommes dans une station auto, ça se dit ou pas ? Station automobile. Bref, en gros, on va laver la voiture parce que avant Ramadan, je veux tout ranger, ok ? On va laver la voiture intérieure, extérieure. Au revoir. Bye. Bon, alors évidemment, on a acheté un arbre magique à la pêche. Je vous jure que c'est le meilleur. Ils sont trop bons. En ce qui concerne mon organisation spirituelle, je vais fixer mes objectifs tout en restant réaliste, noter toutes mes prières pour organiser mes journées en fonction de mes prières et évidemment avoir une lecture de Coran assez régulière. Pour ce faire, ça fait maintenant 2 ans que je suis un planeur qui est super bien organisé, que je vous conseille, il est totalement gratuit. Je vous mettrai évidemment le lien en description. La vidéo touche déjà à sa fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, quant à nous, on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo.